Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, je ne parle pas très fort et c'est voulu puisque l'heure à laquelle je suis en train d'enregistrer la vidéo, il est très tard ou très tôt, tout dépend comment vous voulez voir la chose, puisqu'il est très précisément 1h moins 10 du matin. Ça fait environ 3 heures que j'ai fini mon service, j'avais du mal à trouver le sommeil puisque là je suis en train de lire un petit peu les commentaires que vous avez pu mettre sur la guidance des énergies de la semaine, donc la semaine à venir du 7 au 12. Et il y a certains commentaires qui m'ont interpellé et ça m'a donné l'idée en fait de vous faire une vidéo pour, eh bien, alors je vais pas dire véhiculer un message d'espoir parce que c'est pas vraiment ça le but, mais ce serait peut-être pour aider certains ou vous aider peut-être à prendre conscience de certaines choses qu'on ne prend pas forcément conscience, qu'on ne prend pas le temps de regarder parce qu'on est tous dans nos vies, on a tous nos problématiques, on a tous nos soucis, on a tous des choses, voilà, comme ça qui tourne en tête, et c'est normal parce que nous sommes des êtres humains qui sont constitués avec notre quotidien, qui sont ce quotidien lui-même est constitué, eh bien, de personnes, de rencontres, de situations, de travail, de choses qui font que on est plus ou moins plongé dans du stress permanent, dans des angoisses, etc., etc. Et puis le problème qui se fait aussi aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une société qui nous vend du rêve, tout simplement. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que pour être heureux, il faut avoir une famille, il faut avoir des enfants, il faut être marié, il faut avoir un bon travail, il faut avoir deux voitures, il faut avoir le chien qui va avec, la jolie maison, tout. Enfin, voyez vraiment le cliché. Cette société nous vend tout le temps, enfin c'est même plus nous vendre à ce stade, moi j'appelle ça une sorte de lavage de cerveau, nous lave le cerveau quotidiennement avec plein de clichés. Pour être belle, il faut que vous soyez mince. Pour être ceci, il faut que vous soyez cela. Enfin voyez, on est toujours dans cette dynamique de pour être, il faut que, non. Il n'y a pas de... Pour être belle, vous n'avez pas besoin de peser 45 kilos. Vous n'avez pas besoin d'avoir une poitrine qui fait 140 F. Non, non. Pour un homme, vous n'avez pas besoin d'avoir des abdos. Vous n'avez pas besoin d'être comme ceci, d'être comme cela. Vous n'avez pas besoin d'un super job pour être heureux. Vous n'avez pas besoin d'une super maison pour être heureux. Vous n'avez pas besoin de plein de choses pour être heureux. Puisque le bonheur, avant tout, c'est quelque chose qui se construit. Et c'est quelque chose qui... Alors, ça n'engage que moi de dire ça. Qu'on soit bien d'accord. Mais pour moi, ma vision du bonheur, ce serait tout simplement des petites choses de la vie, du quotidien, que voilà, que l'on vit et que notre cerveau va enregistrer. Et tous ces petits bonheurs, je vous prends un exemple très concret. Imaginons une belle journée d'été avec une canicule, 40 degrés, il fait très chaud, on est épuisé, on vient en plus de faire une bonne journée de travail, on vient de rentrer, on vient de voir dans la boîte aux lettres une facture, n'importe quoi. Et là, stop, on se prend 10 minutes et là on se mange une bonne glace qui va rafraîchir, ou on se boit une bonne boisson, un bon jus de fruits, ou on se mange une bonne pastèque bien juteuse, bien fraîche, et pendant 10 minutes on va apprécier, on va savourer ce moment. Ça, c'est un petit moment de bonheur. Si ces petits moments de bonheur, vous les vivez assez régulièrement, voire quotidiennement, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, 1 heure, on s'en fiche, peu importe. Une journée d'anniversaire, une après-midi pique-nique, je sais pas, un repas avec des amis, n'importe quoi, une balade avec votre chien, des ronrons de votre chat pendant 10 minutes, un bon film, n'importe quoi. Tous ces petits instants de bonheur, mis bout à bout, eh bien, ils vont faire le bonheur d'une vie. T'arrêtes de l'embêter. J'ai Salem qui est en train de niaquer Angel. Donc, tous ces petits bonheurs, lorsque vous allez les mettre tous les jours, eh bien, ça va faire le bonheur d'une vie.
Puisque le cerveau humain, il faut savoir qu'il a l'extraordinaire capacité de se souvenir des mauvais moments. Mais si vous regardez, si vous cherchez en détail dans les souvenirs qui vous ont les plus perturbés, eh bien, je vous invite à faire cet exercice. Essayez de vous remémorer des souvenirs douloureux, des souvenirs pénibles. Vous allez voir que vous allez vous souvenir des grandes lignes. Par contre, les détails, votre cerveau les a volontairement effacés. Il a juste gardé l'événement principal, les grandes lignes du truc. Par contre, tout ce qui est détail, il a complètement oublié. En revanche, vous allez faire ce même exercice, mais en vous souvenant de bonnes choses, de belles choses que vous avez vécues. Et bien là, vous allez voir que votre cerveau a retenu tout. Les moindres détails, jusqu'à la couleur du chemisier que votre ami portait ce jour-là, jusqu'à la personne qui vous a fait un petit sourire quand vous l'aviez croisé sur le trottoir, tout. Il va se souvenir du moindre détail, le temps qu'il faisait, la sensation que vous aviez, comment vous vous sentiez à ce moment-là, etc., etc. Et ça, c'est une faculté que le cerveau a, qui est, je trouve, absolument incroyable. Pourquoi est-ce qu'il a cette faculté, le cerveau? Eh bien, tout simplement parce que le cerveau est constitué de façon à retenir les bonnes choses, pas les mauvaises. Les mauvaises, il va les enregistrer sur une sorte de disque dur. Il va garder les grandes lignes, les informations principales qu'il faut conserver, si jamais il y avait des informations importantes, des choses dont il faut se souvenir. Donc il va conserver que ce qu'il faut conserver. Et en revanche, tout le reste, il va lisser. Il va polir les angles, il va enlever, voilà, il va faire du tri, il va enlever toutes les mauvaises herbes et il va garder que l'essence même du mauvais souvenir. Et le problème de l'être humain, c'est qu'il a tendance à se focaliser uniquement sur ses mauvais souvenirs, en occultant les bonnes choses. Et pourtant, les bonnes choses, on ne s'en rend pas compte, mais on en vit énormément. Ça peut être juste un petit fou rire que vous allez prendre avec un collègue à votre travail, à la machine à café par exemple. Ça peut être votre animal de compagnie qui va faire une bêtise, quelque chose qui va vous faire rire. Ça peut être tout et vraiment n'importe quoi. Et moi, je vous invite à vous concentrer uniquement sur ces belles choses et sur ces bonnes choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu quelques commentaires qui m'ont vraiment touché et je ne sais pas comment vous dire, pour avoir vécu des choses similaires, il y a des mots qui ont été très durs, qui ont été écrits. Comme par exemple, il y a une abonnée qui m'a écrit, enfin, qui, pas à moi directement, qui répondait en fait à une autre abonnée, et qui a dit: les matins, je me lève, je ne sais pas pourquoi je me lève. C'est dur quand même de dire ça. Déjà de l'écrire. Forcément, si vous l'écrivez, c'est que vous le pensez. Et si vous le pensez, c'est que forcément, il y a quelque chose qui fait que dans votre vie, vous le vivez à l'heure actuelle. Et ça, je l'ai vécu. Ça m'est arrivé les matins. Et oui, j'ai beau avoir que 34 ans, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour ça. On peut avoir 70 ans, on peut en avoir 50, on peut en avoir 30, on peut en avoir 15 aussi. Il n'y a pas d'âge pour se sentir comme ça. Mais j'ai eu aussi des jours, des matins où je me levais et je ne savais pas pourquoi je me levais. Pourquoi? Pour qui? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que tu vas refaire ça? Tu vas repasser la même journée, tu vas refaire les mêmes choses, ton travail, c'est exactement les mêmes gestes, tu vas redire les mêmes choses, etc. Tu vas rencontrer les mêmes personnes. Enfin, il y a un moment où on arrive dans une sorte de saturation, où on ne trouve plus aucune motivation et se dire pourquoi je continue à vivre? Quel est le but de ma vie? Alors attention, là je parle pas de pensée suicidaire, etc. Non, il n'y a pas besoin d'être suicidaire ou pessimiste pour avoir ce type de pensée. Chaque personne sur Terre, au moins une fois dans sa vie, s'est posé cette question de se dire à quoi je sers? Quel est le but de ma vie? Pourquoi je me lève? Pour qui je me bats? À quoi ça sert ce que je suis en train de faire? Pourquoi? Juste pourquoi en fait? Ce pourquoi, il est important parce qu'il soulève plein de questions derrière et surtout il nous fait comprendre que nous-mêmes nous sommes tout le temps dans un questionnement perpétuel. Pourquoi est-ce que je fais mon lit? Ça sert à rien, je vais me recoucher dedans ce soir, c'est complètement débile. Pourquoi est-ce que je fais la vaisselle? Je vais ressalir les assiettes, il faudra que je refasse la vaisselle. Vous voyez? On pourrait poser plein de questions comme ça. Pourquoi faire tout ça? Et là, je vais vous inviter à faire un autre exercice pour essayer d'élever notre conscience et pour qu'on se pose les bonnes questions.
pas juste le pourquoi de notre quotidien, mais un pourquoi qui est bien plus élevé et bien plus spirituel. Et ça va vous permettre, peut-être, je l'espère en tout cas, de prendre conscience que la vie est bien plus complexe, qu'elle est bien plus importante que ce que nous avons là à l'heure actuelle. Tous, sans aucune exception, on est tous concentrés sur nos vies. Machin a dit du mal sur moi, bidule m'a fait ceci, facture de machin, ça comment je le paye, mon travail je vais peut-être le perdre. Vous voyez, c'est toujours les mêmes questions qu'on se pose. Mais si on prend 2 minutes pour juste lever les yeux au ciel, et ça vraiment je vous invite à le faire, sincèrement, faites-le, honnêtement vous allez voir que si vous suivez exactement ce que je vais vous dire, alors quand je dis exactement, on n'est pas dans une démarche sectaire, mais vous aurez compris le principe. Je vous invite sincèrement et honnêtement à faire cet exercice. Vous allez sortir à l'extérieur, la nuit si possible, parce que le jour on s'en rend moins compte, mais faites cet exercice la nuit, surtout quand il y a des étoiles dans le ciel. Et là vous allez lever les yeux au ciel et vous allez prendre conscience de quelque chose. C'est que tout d'abord nous vivons sur une toute petite boule de terre. Déjà rien que ça, ça donne un peu le vertige. On vit sur une toute petite boule de pierre qui a 13 000 km de diamètre. C'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas énorme. À l'échelle cosmique, c'est un minuscule caillou. Déjà, quand on voit l'immensité de la Terre, 13 000 km, c'est pas beaucoup. Mais pourtant, quand on voit l'immensité de la Terre, quand on est perdu dans une forêt, quand on est perdu au milieu de l'océan, par exemple, on a cette impression d'immensité. Bien, imaginez que notre Terre, aussi immense soit-elle, elle est ridiculement petite. Mais alors vraiment ridiculement petite. Je parlerai même pas des autres planètes comme la Lune, comme Mercure, qui sont beaucoup plus petites que la Terre, donc là on est à l'échelle de grains de sable. Cette boule de Terre tient dans le vide, par des forces, on sait pas lesquelles. Alors, si, on sait lesquelles. Mais ma vidéo n'est pas là pour vous expliquer la théorie des cordes, etc., la matière noire et compagnie. C'est pas une vidéo astronomique. Hein. C'est juste pour vraiment vous vulgariser le truc et pour que vous puissiez avoir une image concrète. Parce que si je me lance dans les explications astronomiques, honnêtement, je pense que je vais vous perdre et je vais me perdre moi-même. Parce que même moi, quand j'y pense, ça me donne tellement le vertige que dans ma tête, c'est inconcevable en fait tout ça. Donc prenez juste conscience qu'on vit sur un tout petit caillou qui tient dans le vide. Ça aussi, ça paraît aberrant parce que pour nous, rien ne tient dans le vide. Tout doit reposer sur quelque chose. Non, la Terre tient dans le vide. Voilà, on ne sait pas comment. Cette toute petite boule de terre tourne autour d'une étoile qui est ridiculement petite. Et oui, notre Soleil a beau être immense, à notre échelle, bien sûr. Il a beau être immense, il a beau être le maître dans notre système solaire, il est ridiculement petit face à d'autres étoiles qui sont à des échelles colossales, mais vraiment. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir des vidéos sur YouTube qui traitent un petit peu du sujet. Vous allez avoir la tête qui va tourner, honnêtement. D'ailleurs, comme type de chaîne, je vous invite à aller voir par exemple Balade Mentale, qui fait des super vidéos et ça donne le tournis. Quand on les regarde, ça donne vraiment le tournis. Et tout ça, tout ce petit monde-là, cette petite étoile, cette toute petite Terre, eh bien tout ça, ça tourne ensemble, ça tient dans le vide, et surtout, c'est perdu au milieu de nulle part. Et quand on regarde encore plus loin, eh bien ce plus loin ne s'arrête pas. À l'heure actuelle, tout ce que l'être humain peut voir est contenu dans ce qu'on appelle l'univers observable. C'est-à-dire, l'univers observable, en gros, pour vous vulgariser le truc, c'est le temps qu'il a fallu à la lumière pour nous parvenir, parce que vous savez que dans l'espace, on ne parle pas de kilomètres, on parle d'années-lumière, c'est-à-dire la distance que la lumière peut parcourir en une année. Quand on sait quand même que la lumière peut parcourir plus de 300 000 km en une seconde, je vous laisse faire le calcul sur une année. On est à des milliards et des milliards de kilomètres. Donc une année-lumière, déjà, ça fait rêver. Imaginez si là, vous pouviez faire une année-lumière, vous seriez extrêmement loin de chez vous. Mais très, 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 vraiment très loin de chez vous.
est très loin des problèmes, etc., etc. Et tout ceci, donc tout cet univers observable, eh bien on ne sait pas ce qu'il y a autour. Parce que concrètement, l'univers, si on l'a appelé l'univers, si on l'a appelé l'espace, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Peut-être que ça ne s'arrête jamais. Peut-être qu'il n'y a pas de limite, peut-être qu'il n'y a pas de frontière. Ou au contraire, est-ce que l'univers a une frontière? Et est-ce que notre univers fait partie de plusieurs univers qui seraient, qu'on pourrait symboliser un peu comme des billes, qui seraient toutes mélangées dans un sac? Imaginez la taille un petit peu. Si notre univers était une bille, et que cette bille est en fait une parmi tant d'autres dans un sac de billes, ça commence à faire tourner la tête quand même. Tout ça pour nous faire comprendre une seule chose, c'est que l'être humain n'est vraiment, mais alors vraiment, vraiment, pas grand-chose. J'ai envie de vous dire qu'on n'est même pas, à l'échelle cosmique, on serait même pas un microbe, on ne serait même pas un globule blanc, on serait rien. On est tellement insignifiant, et du coup nos problèmes eux-mêmes deviennent complètement insignifiants. Et là, peu importe qui vous soyez, que vous soyez Angelina Jolie en personne, que vous soyez le SDF qui est au coin de votre rue, que vous soyez le YouTuber avec 40 millions d'abonnés, que vous soyez président d'un pays, que vous soyez président de la Terre, peu importe. Dans tous les cas, vous n'êtes toujours pas grand-chose à l'échelle de l'univers. Et rien que quand on prend conscience de ça, eh bien vous allez découvrir que finalement, les problèmes sur lesquels vous vous arrêtez, ben ils ont plus tant de valeur que ça. Et vous allez comprendre aussi que les gens qui sont autour de vous, qu'ils soient bons, qu'ils soient pas bons, peu importe, eux aussi sont tout aussi insignifiants que nous sommes également. Et cet exercice, je l'ai fait souvent. Et honnêtement, les amis, c'est ce qui m'a permis parfois, quand je ne savais plus pourquoi je me levais, pour qui, pourquoi je dois me battre, pourquoi je dois continuer, pourquoi est-ce que je continuerai à cultiver l'espoir, l'espoir de quoi ? L'espoir de qui ? L'espoir qui va m'amener quoi ? C'est bien joli de dire garder l'espoir. Oui, garder l'espoir. Mais garder l'espoir de quoi ? D'avoir une vie qui va changer ? Mais une vie qui va changer comment ? Qu'est-ce que ce changement pourrait m'apporter ? Qu'est-ce que je peux attendre de ce changement ? Qu'est-ce que je peux demander de ce changement ? Est-ce que je vais être plus heureux si ma vie changerait ? Si par exemple, demain je gagnais au loto, ça réglerait beaucoup de problèmes, je suis d'accord. Parce que très souvent on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui. Et non, effectivement, il ne fait pas le bonheur. Par contre, dans notre société actuelle, l'argent contribue quand même à une part du bonheur. À savoir que bah, quand on sait que les factures sont payées, quand on sait que notre frigo peut être rempli, quand on sait qu'on peut se payer des soins sans avoir recours à quoi que ce soit, quand on sait qu'on peut se payer, entre guillemets, le meilleur pour améliorer notre confort de vie, bah oui, on peut dire que l'argent contribue quand même un petit peu au bonheur. Et ça serait hypocrite de dire le contraire. Par contre, le bonheur, l'argent ne pourra pas tout vous apporter. L'argent ne pourra pas vous apporter des amis. Alors si, vous allez en avoir des amis. Beaucoup, beaucoup d'amis. Le jour où vous serez riche, je vous le souhaite, le jour où vous serez riche, croyez-moi que des amis, vous allez en avoir. Des tonnes et des tonnes. Par contre, le jour où vous n'aurez plus un euro, vous allez tout de suite voir qui sont vos vrais amis. La famille, c'est pareil. Je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas pire que la famille. La famille... C'est uniquement dans les films de Noël qu'on voit la famille aimante, soudée, on se pardonne tout, etc. Les embrassades et machin. Non, dans la vraie vie, la famille, ça ressemble pas à ça. Je sais pas, vous, de votre côté, si vous avez la chance d'avoir une famille qui est soudée, alors tant mieux pour vous. Vraiment, vous faites partie des chanceux. Mais la plupart des familles, très souvent, ce sont nos pires ennemis. Ils n'hésitent pas à nous déclarer morts et enterrés. Et ça, ça sent le vécu. Mais la famille, dites-vous bien quelque chose, c'est que certes, on partage du sang et des gènes avec eux, mais ça ne veut pas dire que nous sommes familiers de ces personnes-là. Si je prends mon exemple très concret, que je prenne ma famille côté paternel ou ma famille côté maternelle, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Alors, je suis peut-être pas le meilleur, mais honnêtement, quand on voit les autres... J'ai de quoi me poser la question quand même. Je pense que je suis un peu meilleur. Mais voilà, pour vous dire que la famille, les familles en règle générale,
très souvent, c'est plus des bubons, il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier, très souvent ce sont des bubons. Des personnes qui sont prêtes à nous tirer dans le dos, qui soi-disant nous aiment, etc., etc. Par contre, à la première occasion, vont nous faire un coup de traître, vont nous planter un poignard dans le dos, enfin bref. Donc, pour ceux qui pleureraient sur le fait qu'ils n'ont pas de famille, eh bien j'ai envie de vous dire que quelque part c'est une chance. C'est une chance. Et pourtant, je suis le premier à faire partie de ces gens qui ont pleuré parce qu'ils n'avaient pas eu la chance d'avoir une famille. Alors, je ne suis pas là pour vous faire pleurer, franchement, c'est pas du tout le but de la vidéo, hein, très clairement. Mais quand je prends par exemple mon père qui m'a abandonné quand j'avais 7 ans, bah concrètement, à 7 ans, j'étais un gamin, j'étais un gosse, j'étais à peine conscient de ce qui se passait. Pourquoi est-ce qu'il me laisse? Pourquoi est-ce qu'il m'abandonne? Pourquoi est-ce qu'il laisse ma mère? Pourquoi est-ce qu'il nous laisse? Pourquoi est-ce qu'il nous abandonne pour une autre femme en plus, voyez? Enfin, plein de questions que je me suis posées plus tard. Pourquoi mes grands-parents sont décédés quand j'étais petit? Pourquoi j'ai pas eu la chance de pouvoir les connaître, les rencontrer? Pourquoi j'ai une sœur qui a viré tout le monde? Pourquoi? Enfin, voyez, il y a plein de questions qu'on pourrait se poser. Ces questions sont stériles. Parce que tout simplement, on n'aura jamais les réponses. Donc pourquoi continuer à se torturer l'esprit, à se plonger dans une espèce de mélancolie et alimenter une sorte de poison toxique en se disant pourquoi, pourquoi, pourquoi? Non, il y a des pourquoi qui malheureusement ne trouveront jamais leur réponse. Les choses se sont passées ainsi, ça devait se passer ainsi, vous n'y êtes pour rien. Alors, ça dépend. Ça dépend. Mais voilà, il y a des choses pour lesquelles vous n'y êtes pour rien et ça sert à rien de vous torturer pour essayer de trouver des réponses, pour en fin de compte des choses qui ne vous apporteront rien de plus. Maintenant, les amis. Alors, les amis, c'est un sujet qui est bien plus complexe que la famille. Parce que les amis, on peut vivre sans famille. J'en suis l'exemple. Par contre, les amis, j'avoue que je suis très ami et j'ai besoin d'aimer. J'ai besoin. J'aime aimer. Et je pense qu'on est tous dans le même cas. Et là, c'est pas une question de reconnaissance, c'est pas une question de notoriété, c'est pas une question d'ego, c'est pas une question de prétention. Aimez-moi. Pitié, aimez-moi. Je veux avoir plein d'amis parce que je veux être aimé. Non, ça n'a rien à voir. Le fait d'aimer, aimer, c'est tout simplement cette faculté à donner son amour et à aimer les autres et à se sentir entouré. Alors, je pense que Freud aurait beaucoup de choses à dire. Je vais pas me lancer dans ce débat non plus parce que la vidéo va faire 4 heures et c'est pas le but. Mais le fait d'avoir des amis, on a besoin de pouvoir s'identifier à des personnes qui sont similaires à nous, avec des points communs, avec des passions communes, avec des centres d'intérêt, partager des choses, avoir cette complicité. Sentir qu'on est compris, qu'on peut se confier, qu'on peut parler, qu'on peut écouter l'autre, qu'on peut partager, qu'on peut vivre des choses. L'amitié, c'est quelque chose qui est vraiment très particulier. Et effectivement, les amis, j'entends souvent des personnes qui me disent, moi, je n'ai pas d'amis. Et je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Triste dans le sens que vous n'avez pas besoin d'avoir plein d'amis. Ça sert à rien. Par exemple, Facebook, quand je vois que ceux qui nous suivent, enfin ceux qui sont abonnés à nous, sont appelés amis. Ça me fait sourire. Parce que sur Facebook, j'ai 3000 amis. Concrètement, dans la réalité, sur ces 3000 amis, allez, l'équivalent peut-être de ma main, et encore. Mais je dois en avoir à peine 5 sur qui je peux vraiment compter. Et quand je dis à peine 5, je pense qu'on peut encore réduire. Alors attention, je vous inclus pas dedans, parce que y a amis et amis. Effectivement, beaucoup d'entre vous, je vous considère comme des amis. Je vous l'ai toujours dit. Si un jour vous me croisez dans la rue, on va boire un café, on va discuter, etc. Vous êtes le bienvenu pour participer à un sabbat ou même venir à la maison. Enfin, ça dépend. Ça dépend quelles sont vos intentions. Mais il y a amis et amis, c'est-à-dire que je ne vous vois pas, j'ai pas la chance de vous voir en fait. Et ça, j'avoue que c'est très frustrant parce que vous, vous me connaissez, vous me voyez, mais moi par contre, je serais incapable de vous reconnaître dans la rue. Alors éventuellement, on pourrait se dire un petit mot de code, vous passez à côté de moi et vous me dites fantabuleux. Et comme ça, je serais. Ah je sais qui c'est. Enfin, je sais qui c'est. Non, je sais pas qui c'est, mais.
Donc je vais revenir sur les amis. Les amis, c'est important d'en avoir. Mais les amis, pour moi, j'ai une notion de l'amitié qui est très particulière. C'est-à-dire que pour moi, un ami, c'est pas forcément quelqu'un qui tient sur deux jambes avec deux bras. Par exemple, mes amis, j'en ai une qui est à côté, qui est en train de se lécher à l'heure actuelle. Alors, quand on n'a pas l'image et qu'on ne sait pas de qui je parle, ça peut être très graveleux ce que je viens de dire. Mais j'en ai une qui est toute noire, qui est toute poilue, qui est là, en train de se lécher. J'en ai un autre qui est affalé là-bas, qui est tout blanc, en train de dormir. Vous voyez, rien qu'autour de moi, j'ai deux amis. Et c'est ce que je vous dis, pourquoi je vous dis ça en fait, c'est pour vous amener justement sur ma conception de l'amitié. C'est-à-dire que pour moi, l'amitié, c'est pas juste une personne avec qui je vais avoir des interactions sociales, avec qui je vais partager des choses. Non, c'est quelqu'un qui va m'apporter énormément au quotidien. Je vois par exemple Angèle, qui est à mes yeux bien plus qu'une amie, puisque c'est comme ma fille. Quand je vois tout ce qu'en 13 ans elle m'a apporté, aucun être humain n'a su m'apporter la même chose. Je parle pas de ma maman, hein, parce que les mamans dignes de ce nom, elles sont à part, elles sont ancrées en nous, et voilà. Mais c'est sûr que ma maman, elle m'a apporté énormément. Mais je vois en 13 ans, j'ai eu personne dans ma vie qui a été aussi fidèle, aussi loyal, aussi sincère, aussi honnête, qui m'a vu à poil, qui m'a vu habillé, qui m'a vu en cosplay, qui m'a vu heureux, qui m'a vu malheureux, qui m'a vu en bonne santé, qui m'a vu malade, et peu importe mon statut, peu importe comment j'étais à ce moment-là, elle était présente. Et ça, c'est ma conception de l'amitié. C'est-à-dire, peu importe que votre ami soit un animal, peu importe que votre ami soit un être humain, peu importe que votre ami soit, ça va paraître bête ce que je vais vous dire, un végétal. Je vais vous raconter une histoire, une petite anecdote. Il y a pas mal d'années de ça en arrière, puisque j'avais la vingtaine d'années. J'ai vécu un an à Bourgoin-Jallieu, donc c'est une commune qui est à côté de Lyon. Et j'avais pour habitude d'aller me balader dans un petit parc, qui est un parc avec des animaux. Et je montais tout en haut de cette colline, et en haut, il y avait une magnifique clairière qui était bien dégagée, avec un arbre qui était majestueux, un beau chêne qui était, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il était centenaire. Il était connu d'ailleurs dans le coin, et il avait même un surnom. Il était baptisé Bafardus. Et cet arbre, presque tous les jours, je lui rendais visite. Quand j'allais bien, quand j'allais pas bien, pour me reposer auprès de son ombre, de son feuillage, pour prendre un petit peu sa fraîcheur, même pour discuter avec lui. Ça paraît bête, mais oui, j'ai discuté avec un arbre. Juste pour discuter avec lui, pour lire un livre, ou juste pour méditer, pour prendre un petit peu son énergie quand je me sentais pas très bien, pour m'aider à me recentrer, à m'ancrer, etc. Tout ça pour vous dire, voilà, que l'amitié, elle peut vraiment prendre plein de formes diverses et variées. Et il ne faut pas vous arrêter à l'aspect physique. Ce n'est pas parce que l'amitié ne repose pas sur l'échange réciproque. Dans le sens où je vois par exemple Angèle, quand je lui parle, bah, elle ne me répond pas comme un humain va me répondre. Par contre, dans ses yeux, dans son miaou, dans son attitude, elle va me faire passer des émotions et des sentiments que je vais pouvoir interpréter, que je vais pouvoir comprendre également. Et elle n'a pas besoin de parler en fait, parce que la chose se fait, l'interaction, le sentiment, l'émotion, c'est là en fait. Et un ami, c'est sur le même principe. Voilà pourquoi, des fois, quand je vois un commentaire ou quand j'entends une personne qui me dit je n'ai pas d'amis, eh bien, j'invite cette personne vraiment à réfléchir sur le fait, est-ce que vraiment tu n'as pas d'amis? Si on prend cette conception de l'amitié, est-ce que vraiment vous n'avez pas d'amis? Vous n'avez absolument rien ni personne vers qui vous poser, vous reposer. Et vous allez voir que en analysant honnêtement et sincèrement, je suis sûr que vous allez pouvoir trouver un ami. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche du coup du nombre d'amis, parce que bah, je suis bien placé pour vous le dire, 3000 amis sur Facebook, alors que concrètement il n'y en a que 4, 3, 4 sur qui je peux vraiment compter. Sur YouTube, bon, alors YouTube c'est un peu plus particulier, je serais pas en vexer certains, mais on va parler chiffres en fait. Donc 3000 sur Facebook, 6000, presque 6400 sur YouTube, plus de 500 sur Instagram.
3000 sur ma page professionnelle YouTube, parce que là je parle de YouTube, Facebook, là je parle de mon profil privé. Mais ma page œil dans le noir Facebook, donc du coup on est à combien là? On est à 6004, plus 500, 6009, plus 3, 9009, plus 3000 encore sur Facebook, on arrive à un peu plus de 12 000 personnes, 12 000 amis. Sur ces 12 000 amis, honnêtement, sur qui je peux vraiment compter? C'est-à-dire que demain, il m'arrive une tuile. Je sais pas. Il m'arrive vraiment une grosse tuile. Je perds mon travail, je me retrouve à la rue, je sais pas où aller. Concrètement, sur qui je vais vraiment pouvoir compter? Vous voyez? Alors, je vous rassure, j'espère pas d'ailleurs que je vais tout perdre. On va toucher du bois. Mais voilà, c'est surtout pour vous dire ça en fait. On s'en fiche des chiffres. On s'en fiche. Vraiment, on s'en fiche. Et ça fait quelque temps que j'ai vraiment pris conscience de plein de choses. Je vous l'ai dit d'ailleurs dans ma vidéo des énergies de la semaine, que je fais une grosse introspection sur moi et que je réfléchis à plein de choses et que ma conception aussi des choses est complètement différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un stade, je pense que, alors peut-être que ça paraît prétentieux ce que je vais dire, mais je pense avoir gagné un niveau. Je sais pas comment vous dire ça. On va parler terme jeu vidéo. J'étais au niveau 1. J'ai l'impression d'être passé au niveau 2. Dans le sens où je me contrefous, mais alors royalement, mais vous n'avez pas idée à quel point en fait, je me contrefous royalement de ce que les gens peuvent penser de moi, de ce que les gens peuvent dire sur moi. Je n'y accorde plus aucune importance et vraiment, je m'en contrefous. Je sais pas comment vous l'expliquer tellement c'est fort. Je vous en parlais très concrètement, peut-être que certains d'entre vous les ont vus. J'ai eu 2-3 commentaires sous ma vidéo des énergies de la semaine qui étaient vraiment très désagréables, en lien avec des événements passés, sur lesquels je ne vais pas revenir, je vous l'ai déjà dit. Eh bien, ces personnes, j'ai même pas ressenti le besoin de leur répondre, non. J'ai bloqué et j'ai dégagé. Parce qu'en fait, il y a trop de gens sur Terre qui chercheront sans cesse à vous dénigrer, qui chercheront sans cesse à vous détruire, à être toxiques, à être des vampires psychiques. Et honnêtement, en fait, le fait de leur manifester quelconque intention, juste de répondre, eh bien, ça permet de jeter de l'huile sur le feu et d'alimenter un brasier. Et surtout, ça leur envoie un message fort en leur disant, regarde. Tu vois, je te réponds. Ça prouve que ce que tu as écrit, ça me blesse, ça me vexe, ça me touche, donc j'ai besoin de me justifier, donc je vais répondre, donc je t'accorde du temps qui est précieux. Et au lieu, tout le temps que je vais mettre à rédiger une réponse, c'est du temps perdu pour savourer un petit bonheur. À la place, comme je vous l'ai dit, je pourrais me savourer une bonne glace pendant 5 minutes en profitant du soleil. Franchement, c'est pas mieux de faire ça plutôt que de perdre 5 minutes à répondre à une personne qui foncièrement s'avérera être toxique et qui ne vous apportera strictement rien. Et je sais pas comment dire, mais je voudrais essayer de partager ça avec vous et de vous faire comprendre la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de perdre du temps à baver sur Pierre, sur Paul, sur Jacques, ou à tout simplement s'intéresser à des problèmes de Pierre, de Paul, de Jacques. Je prends les dramas par exemple. Pourquoi est-ce que les dramas prennent souvent des proportions extraordinaires? J'en ai vu plein des clashs entre youtubeurs, entre des influenceurs, etc., etc. Ça prend des proportions phénoménales. Mais pourquoi ça prend des proportions phénoménales? Parce que on va avoir des personnes tierces qui vont s'en mêler et qui vont rajouter des choses aux choses. Alors que très souvent, ben, j'ai envie de dire, le problème originel concerne que deux personnes. La plupart du temps d'ailleurs. La plupart du temps, ça concerne que 2, 3, 4 personnes maximum si on parle de problèmes de famille, mais ça ne concerne pas la planète entière. Et je vous dis ça, excusez-moi, j'ai plein de choses en tête en même temps. Je vous dis ça dans le sens où je crois que si chacun fait en sorte de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas, si chaque personne fait en sorte de se concentrer sur soi-même, sur sa vie, et de ne prendre part à rien qui ne le concerne pas, eh bien je vous promets les amis que la vie et le monde tourneraient différemment.
Déjà, il y aurait plein d'émissions de télé qui n'existeraient pas, comme la télé-réalité, toutes ces conneries, très clairement. Mais il y aurait aussi plein d'autres maux et plein d'autres fléaux qui n'existeraient pas, comme beaucoup de guerres. Je pense que beaucoup de guerres auraient pu être évitées si chaque personne s'occupait de sa propre vie et arrêtait d'empiéter sur la vie des autres, très clairement. Mais pas que, il y aurait plein de choses, je pense, qui seraient complètement différentes. Si on était vraiment dans... et là, je ne parle pas de spiritualité, je ne parle pas d'altruisme, etc. Non, là, je vous parle d'égoïsme. C'est-à-dire que si chacun était réellement égoïste, dans le sens où il pense à lui, et il se contrefout littéralement des autres, eh ben... Alors certes, ça créerait d'autres maux, mais par contre, ça en soignerait certains. Est-ce que ça serait mieux, est-ce que ça serait pire? Je ne sais pas. Parce que je pense qu'on vit quand même bien dans un monde égoïste, mais égoïste dans le mauvais sens, pas égoïste dans le bon sens. Parce qu'il y a deux formes d'égoïsme. Il y a un égoïsme qui est entre guillemets positif, quand on se centre sur soi-même, qu'on s'occupe de sa propre vie et qu'on ne s'occupe pas de celle des autres. Et le côté égoïste de tout m'est dû, tout, je veux tout, je... Voilà, il y a plusieurs formes d'égoïsme. Enfin, pour moi, en tout cas, il y en a deux. Et maintenant, je vais m'adresser, parce que là, ça fait un moment que je parle de tout, et là, vous vous dites, mon Dieu, mais Jojo, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a fait une retraite spirituelle, en fait, il nous a menti, il travaille pas dans un resto, il a passé 3 semaines dans un temple bouddhiste, je sais pas quoi. Non, non, si, si, je vous assure, je travaille vraiment. Mais c'est juste que le fait de m'avoir coupé comme ça des réseaux sociaux, etc., et puis de reprendre ma vie en main et de la vivre réellement, et puis j'ai vécu plein de choses. Alors, il n'y a pas que un, d'accord? Il y a d'autres choses. Je fais une introspection complète sur ma vie, dans le sens où bah, j'analyse tout, en fait. Mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, etc., etc. Parce que doucement mais sûrement, je me dirige vers les 40 ans, quand même. Alors oui, vous allez me dire, Jojo, t'as encore du temps, t'as que 34 ans. Oui, j'ai 34 ans, mais dans 6 ans, j'en ai 40. Et 6 ans, c'est demain, hein. Quand on voit les années, comment elles défilent, 40 ans, c'est demain. Enfin, dans 6 ans, c'est demain. Donc j'ai 40 ans demain. Et puis après 40 ans, bah 40 ans, on dit qu'on est à peu près à la moitié de sa vie, hein, 40-50, on est à la moitié de sa vie. Donc ce qui fait que là, en fait, je suis dans une phase d'introspection où je me dis, ok Jojo, t'arrives bientôt à la moitié de ta vie. Quand tu regardes la première moitié, tu as été victime de beaucoup de choses. Ton père qui t'a abandonné, la famille, ceci, cela, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, je me dis, Jojo, t'as deux possibilités qui vont s'offrir à toi bientôt. Soit tu continues ce processus de victime, d'auto-victimisation, parce que quand on est victime, on peut avoir aussi une tendance à, sans le vouloir et sans le chercher, en fait, à se placer dans des situations où on va redevenir victime, mais quelque part, on le savait, on le sentait, hein, on sentait le poisson pourri, on sentait le truc arriver, et pourtant, on a foncé tête baissée, ce qui fait qu'on se replace dans un statut de victime, mais victime qui est un peu notre faute, parce que ben, on a un peu cherché le truc, voyez ce que je veux dire? Et là, je me dis donc, t'as deux possibilités. Soit tu continues à être un peu ce soumis de la vie, à encaisser et endurer les choses bêtement sans jamais réagir, ou au contraire, tu reprends tout, et toutes les actions que tu vas mener seront vraiment le fruit de ta réflexion, ne seront pas l'influence de Pierre-Paul Jacques, et tu feras les choses que tu as envie de faire, quand tu veux le faire, comment tu veux le faire, avec qui tu veux le faire, etc., etc., sans plus rien qu'on t'impose. Et justement, je suis dans cette dynamique-là en me disant, ok, là maintenant, je suis fatigué de toujours vivre les mêmes cycles, les mêmes processus, de rencontrer un certain type de personnes, de me retrouver dans certaines situations que je ne voulais pas, etc., etc. Voilà pourquoi je me lance dans cette démarche de reprendre les choses en main, très clairement. Et pour cela, ça va exiger de moi, et c'est valable aussi pour vous, parce que vous allez devoir vous l'exiger aussi, si vous voulez ce changement. Je vous l'ai toujours dit, le changement, c'est pas quelque chose qui arrive par la poste, hein. Très clairement, il va pas toquer à la porte en disant coucou, je suis le changement, accepte-moi. Non. Si vous voulez le changement, c'est aussi à vous de le provoquer, c'est à vous d'aller le chercher, ce changement. Et justement, je veux faire changer les choses. Il y a des choses dans ma vie qui ne me conviennent pas, qui ne me conviennent plus et que je veux faire changer. Et je suis en train de travailler justement pour les faire changer. Et entre autres, il y a quelque chose que je ne veux plus. C'est être à la disposition des autres.
Parce que j'ai réalisé quelque chose, c'est que moi, lorsque je suis vraiment dans le besoin, alors encore une fois, je ne fais pas référence à vous. En tout cas, pas tous. Non, mais vous l'aurez compris, hein. Mais j'ai réalisé un truc, c'est que quand je suis vraiment dans le besoin, sur qui je peux vraiment compter? Est-ce que tous ceux pour qui j'ai été présent, est-ce qu'ils se sont manifestés de la même façon? Est-ce qu'ils m'ont rendu l'appareil? Et là, quand je fais le bilan, je me dis, ah ouais, mais non, en fait, t'as beaucoup donné, mais par contre, quand toi, tu as vraiment besoin, bah, ça se pose là. Et ça, je le veux plus. J'en ai plus envie. J'en ai vraiment plus envie. Alors, on est d'accord que quand on donne quelque chose de sa personne, de l'énergie, peu importe, on est d'accord qu'on n'attend pas forcément un retour. Ça, c'est hypocrite. Parce que l'être humain, lorsqu'il donne quelque chose, il attend quelque chose en retour. Et qu'on vienne pas me dire le contraire, on est tous pareils. On attend au moins un merci, un minimum de gratitude. Pour certains qui sont un peu vénales, ils vont attendre quelque chose d'équivalent. Hein. Si je parle par exemple, je sais pas, j'offre une PS5 à Noël, j'attends une PS5, enfin vous voyez, un cadeau équivalent du même prix. Bon, non, je suis pas comme ça, mais c'était pour vous citer l'exemple. Il y a des personnes qui sont comme ça. L'être humain est conçu comme ça. Lorsqu'il donne, c'est jamais gratuit, il attend quelque chose en retour. La question à se poser, c'est est-ce qu'on peut nous blâmer du fait d'attendre quelque chose en retour? Non, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce qu'après tout, on a quand même donné de l'énergie, on a peut-être donné de l'argent, on a donné de notre personne, on a donné du temps, on a mis beaucoup de choses en place. Donc, un minimum de gratitude, j'ai envie de dire que c'est légitime en fait, et qu'il n'y a rien de malsain à avoir un minimum de gratitude derrière. Pourquoi je vous disais ça? Je vous disais ça parce que c'était pour illustrer mon propos quand je vous disais que je n'ai plus envie d'être à la disposition de qui que ce soit. J'en ai ras-le-bol. Ça fait 3 ans sur la chaîne que je donne sans compter, au détriment de ma santé, au détriment de plein de choses. Et honnêtement, c'est épuisant et c'est fatigant. Surtout que le problème, c'est que lorsque vous vous habituez à donner, les gens vont prendre pour acquis ce que vous faites d'habitude. Je vais le prendre avec un exemple très concret, c'est que j'ai vu un commentaire passer. Alors, il était peut-être pas forcément méchant le commentaire, mais je sais pas, vu qu'il n'y avait pas de smiley, c'est difficile de décrypter une simple phrase sans smiley, sans rien sur internet. Mais ce commentaire disait, bah, elles sont où les vidéos que t'as promises? Moi je vois rien. J'avais presque envie de répondre, puis en fait je me suis dit non, tu vas pas répondre. Parce que bah, t'as pas à le dire, tout simplement. Les gens savent que tu travailles. S'ils sont pas capables de comprendre que tu travailles, que tu as aussi besoin de te reposer, ben, c'est leur problème après tout, c'est pas le mien. Donc pourquoi j'irais dire, oui, je vous avais dit que je vous ferais des vidéos, sauf que je m'attendais pas à me faire déboîter toute la semaine dernière. Je suis rentré le dimanche, j'étais HS. Le lundi, j'étais une loque. Basta. Y a rien d'autre à ajouter. Et ça, c'est ça en fait qui m'agace, c'est que les gens, certains, prennent tout pour acquis. Tout est normal, tout est dû. On leur donne, on donne du temps, on donne de l'énergie, on donne ceci, on donne cela. Et après, quand on donne moins, eh ben, on a des réflexions. Tiens, comment ça se fait? Pourquoi il n'y a plus ça? Pourquoi il n'y a plus ça? Ben pourquoi? Bah ben parce que, tout simplement. Et je vais pas te dire pourquoi, je vais pas t'expliquer, je vais pas te faire une thèse, ça me regarde, ça te regarde pas. Il n'y a plus comme avant, c'est plus pareil. Ben c'est comme ça s'appelle le changement, la transformation, l'évolution, tout simplement. Toi, t'es toujours pareil, tu fais toujours la même chose depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans? Non, t'as changé, t'as évolué, t'as transformé. Voilà. Donc pourquoi est-ce que toi tu aurais le droit de le faire? Pourquoi moi j'aurais pas le droit de le faire? Et le jour où je le fais, je dois en plus me justifier auprès de toi, comme si je te devais quelque chose. Mais je ne te dois rien. Voyez? Ayez cet esprit-là. Vraiment, c'est ce que je vous invite à faire pour peut-être pour régler certains problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos vies qui sont dus
à ce genre d'action, c'est-à-dire qu'on est gentil. Alors pour ceux qui sont très gentils, trop gentils, du genre comme moi, oui, je me jette des fleurs, et alors? Mais pour ceux qui sont trop gentils, on a cette propension à vouloir donner, à vouloir faire plaisir, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et au final, je suis désolé les amis, mais dans la vie, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et il y a un moment donné où justement, à force de tout le temps donner, et de recevoir des crachats dans la tronche, à un moment, vous n'avez plus envie de donner en fait. Et je suis dans cette démarche-là où j'ai plus envie de donner, plus autant qu'avant en tout cas. Et il faut que vous soyez aussi pareil. C'est-à-dire que pour ceux, les abonnés qui ont écrit ces commentaires, du coup, vous vous reconnaîtrez, j'ai envie de vous dire de garder courage, de garder espoir, d'arrêter de vous poser la question pourquoi est-ce que je me lève, pour qui? Pourquoi je continue à faire ça? J'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai pas de travail, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est lourd, c'est pénible, vraiment. Le fait de ne pas avoir d'amis, je sais ce que c'est. Hein. Je vois au collège, j'étais la risée, je vous passerai tous les noms d'oiseaux, mais entre les insultes sur mon orientation sexuelle, sur mes origines, hein, mes origines, ma nationalité, mes origines, le fait que j'étais différent, plus mes facultés un peu bizarres, j'étais vraiment le vilain petit canard par excellence. Donc le fait de ne pas avoir d'amis, je connais très bien. Le fait de souffrir d'une discrimination parce qu'on est différent, si je prends par exemple à l'époque où j'étais en surpoids, je vous passerai là aussi les superbes noms d'oiseaux que j'ai pu recevoir, mais ça aussi je connais. Le fait d'être discriminé par rapport à un handicap, ça aussi je connais malheureusement, puisque vous le savez, j'ai un problème à mon bras gauche, j'ai un problème avec mon ventre, je ne peux pas faire tout ce que quelqu'un de normal pourrait faire. Donc ça aussi je connais, hein, quand vous êtes traité de cotorep et compagnie, ça fait toujours plaisir à entendre, quoi, c'est super sympa. Et je passerai bien sûr sur le fait d'être un charlatan, un gourou, un maître de secte et je ne sais quoi, hein, parce que oui, dès que vous dites que vous êtes un peu bizarre, que vous tirez les cartes, que vous voyez des choses que les gens ne voient pas forcément, automatiquement, et puis si vous avez le malheur de contrarier quelqu'un, tout de suite c'est ah t'es un charlatan, t'es ceci, t'es cela, les gens prennent même pas le temps de comprendre, prennent même pas le temps d'analyser la situation, ils prennent même pas le temps de faire un effort pour être empathique et essayer de se mettre à votre place pour comprendre la situation. Non, c'est on vous colle une étiquette parce que c'est tellement plus pratique de coller une étiquette plutôt que de se faire chier à essayer de comprendre la personne, c'est tellement plus facile de l'insulter, de la critiquer, de la condamner sans avoir un procès équitable où on essaye de comprendre, non, non. Et ça, je sais que ça parle à beaucoup d'entre vous, parce que tous, une fois dans notre vie, on a tous vécu ça. Dites-vous bien une chose, c'est que dans la vie, on est toujours le con d'un autre. Enfin, on est toujours le con de quelqu'un. Moi, très certainement, mais c'est sûr à 100%, je sais que je suis le con, le connard de quelqu'un ou plusieurs personnes. Moi, je m'en fous, mais alors si vous savez, mais combien je m'en fous? Mais vraiment, je m'en tape. Ce que j'ai envie de vous dire, là aussi, c'est un proverbe que j'ai envie de vous citer, c'est que qu'on parle de vous en bien, qu'on parle de vous en mal, finalement, les gens parlent de vous. Donc, vous dérangez, que vous intéressiez ou que vous dérangiez, dans tous les cas, vous laissez pas sans émotion, vous voyez? Alors que quelqu'un qui s'en fiche profondément de vous, il va vous attribuer aucune forme de sentiment puisque vous ne comptez pas, vous n'existez pas, vous n'êtes rien pour lui. Donc, et ça, c'est pire. C'est pour ça que quand on dit que la meilleure des punitions, c'est l'insolence, l'indifférence et le silence, c'est vrai. Tout simplement, c'est vrai. Parce qu'au moins, on ne donne pas de sentiment, on ne donne pas d'émotion à des personnes qui ne les méritent pas. Et donc, pour répondre à ces abonnés, et j'espère de tout cœur que vous verrez cette vidéo, essayez de garder le courage, essayez de garder l'espoir. Alors l'espoir envers quoi et envers qui? Eh bien honnêtement, j'en sais rien. Je ne le sais pas. Je ne vais pas vous dire croyez en telle entité, croyez en ceci, croyez en cela. Non, on n'en sait rien ce qu'il y a au-delà. C'est pas parce que j'ai eu des expériences paranormales qui me font dire que je sais qu'il y a autre chose. Oui, je sais qu'il y a autre chose, mais je ne sais pas quoi ce qu'il y a derrière. Je ne sais pas. Peut-être que les fantômes, on l'apprendra plus tard avec la science. Peut-être que c'est un bug et peut-être que ce sont des personnes bien vivantes qui appartiennent à un autre système solaire. Et puis des fois, il y a un bug comme ça dans la matrice et on a une projection dans notre monde, une sorte de projection astrale d'un monde qui existe bel et bien. Peut-être que moi-même,
je suis peut-être un fantôme sur une autre planète. Vous voyez ce que je veux dire? La science l'expliquera peut-être un jour, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 500 ans, l'humanité est encore vivante, on ne sait pas. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas parce que j'ai vécu des trucs bizarres, des trucs qui font que ça ne rentre pas dans la norme, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle paranormal, parce que ça sort du normal. Mais le normal, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la normalité? C'est votre sujet de philosophie. Qu'est-ce que la normalité? Vous avez 3 heures. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas parce qu'il va y avoir des gens un peu bizarres sur Terre qui vont faire des expériences mystiques qu'on a la vérité et qu'on sait ce qu'il y a derrière. Non, je sais pas ce qu'il y a derrière. Ça se trouve, il y a peut-être d'autres civilisations qui existent. Pourquoi on serait les seuls êtres vivants dans tout l'univers? C'est pas possible. On ne peut pas raisonnablement croire qu'on est les seuls, alors que nous-mêmes, la vie provient, d'ailleurs, provient du ciel, justement. Donc, on peut pas être les seuls, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, je vais pas rentrer dans ce sujet parce que c'est très vaste, mais pourquoi pas faire une vidéo sur le sujet des ovnis si ça vous intéresse, si vous voulez connaître mon point de vue par rapport à ça, je serais très heureux de vous le donner. Mais voilà, tout ça pour vous dire que pour qui se battre? En quoi croire? L'espoir, pour qui, pourquoi? Ben, j'en sais rien, les amis. Tout simplement, j'ai envie de vous dire, conservez-le. Donnez-vous quelque chose, donnez-vous un but, donnez-vous un challenge, même si vous ne savez pas où aller. Peu importe, on s'en fout, avancez. Tout simplement, c'est la chose la plus importante à retenir, continuez d'avancer. Ne vous laissez pas accabler par les choses. Alors, on peut parfois, quand il y en a trop, il y en a trop. On reste des êtres humains. Et quand il y en a trop, il y en a trop. On a besoin de pleurer, on a besoin de crier, on a besoin de cogner dans un arbre, dans un mur. Alors, plutôt dans un arbre, hein, parce que dans un mur, si vous êtes locataire, vous pouvez dire adieu votre caution. Si vous êtes propriétaire, ça va vous coûter cher du coup pour refaire le mur. Donc tapez plutôt dans un tronc d'arbre. L'arbre, ça lui fera rien. Vous, ça va vous fracasser la main. Ça vous fera oublier votre peine parce que vous aurez tellement mal, il faudra aller aux urgences. Et ça vous rajoutera un problème au problème. Donc non, faites pas ça. Non mais voilà, pour vous dire que essayez de toujours conserver une forme d'espoir et de vous dire que chaque jour suffit sa peine, demain il fera beau, le soleil va se lever. Et pourquoi se rajouter des choses? Non, vivez l'instant présent de façon carpe diem. Vivez ce que vous avez à vivre, ne vous prenez pas la tête, ne vous laissez pas submerger par Pierre, par Paul, par Jacques, par une situation, par un travail, par quelque chose. Non. Et n'oubliez pas l'exercice que je vous ai donné, levez les yeux au ciel et prenez conscience que nous vivons sur une toute petite boule de terre qui tient dans le vide par des forces, on ne sait pas lesquelles. Tout ceci tourne autour d'une toute petite étoile, ridiculement petite, noyée dans une voie lactée qui elle-même est noyée dans quelque chose de bien plus immense. Le tout est noyé dans un truc qui nous dépasse et dont on n'aura jamais les réponses de notre vivant, très clairement, hein. Et vous allez voir que vos problèmes vont sembler très petits. Et la personne qui vous prend de très haut, bah vous allez voir en fait qu'elle aussi, elle est aussi petite que vous. Parce que par rapport à tout ce qui nous domine là-haut, on n'est vraiment pas grand-chose. On n'est vraiment pas grand-chose. Et ça, croyez-moi les amis, que ça m'a fait tenir pendant pas mal d'années. Et ça me fait encore tenir aujourd'hui. Parce que je me dis, mais c'est vrai, Joe, tu fais toute une montagne de ça, alors que au-dessus de toi, il y a quelque chose d'encore plus grand qui te domine. Et voilà quoi. Imaginez quelque chose. Comme ça, je vais vous empêcher de dormir. Imaginez quelque chose. C'est que notre petite boule de terre, à tout moment, elle peut se prendre un caillou sur le coin de la tronche qui mettra un terme définitif à tous vos problèmes et tout le monde. C'est rassurant, hein? Et oui, il faut savoir que la Terre, elle est face à plein de menaces, des menaces multiples. Il y a la météorite qui pourrait tous nous anéantir, comme pour les dinosaures. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de vous poser la question, est-ce que je peux payer ma facture? Est-ce que j'ai des amis? Est-ce que j'ai de la famille? Est-ce que je vais trouver un taf? Est-ce que machin me trompe? Vous n'aurez plus à vous poser la question, le problème sera réglé. Mais il n'y a pas que les météorites, il y a aussi les rayonnements gamma, il y a les explosions gamma, hein. Si par exemple on prend certains pulsars, alors je suis désolé là je parle un petit peu astronomique, mais si on prend certaines étoiles, si on prend par exemple des explosions de rayons gamma qui peuvent traverser l'espace plus
plus rapidement que la lumière, enfin aussi vite que la lumière, et qui peuvent littéralement balayer toute l'atmosphère de la planète. Donc c'est-à-dire que on n'aurait même pas le temps de le voir, parce que c'est une sorte de vent qui balayerait complètement toute la surface de la planète. Toute l'eau qu'il y a sur la Terre serait soufflée en un instant, l'air, les nuages, tout, 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 tout serait soufflé, anéantissant absolument tout. Je sais, c'est rassurant, c'est rassurant. Mais il y a plein de choses, c'est pour vous faire comprendre que les menaces ne se résument pas à un orage qui va arriver, à une facture qui va tomber, à la boulangère qui vous crache dessus chaque fois qu'elle vous voit. Non, il y a des choses au-dessus de nous qui sont 10 milliards de fois pires et qui pourraient régler le problème de absolument tout le monde et qui remettraient les pendules à l'heure de tout le monde en disant, bah regardez, toi t'es riche, toi t'es pauvre, toi t'es belle, toi t'es vilaine. Allez hop, vous finissez tous pareil. Vous finissez grillés, anéantis, soufflés, pulvérisés, cramés, carbonisés. Et là, vous vous dites, super Jojo, merci pour la vidéo. Je suis encore plus déprimé grâce à toi. Je vais me pendre tout de suite. Non, c'est pas du tout dans ce but que je vous fais cette vidéo. Mais c'est vraiment pour faire réaliser en fait que la vie ne tient vraiment à pas grand-chose. Donc pourquoi perdre son temps à vouer de l'énergie à des choses, à des personnes, à des situations qui n'en valent absolument pas la peine, alors qu'on en perd un temps précieux qu'on pourrait vivre autrement, juste profiter du ciel bleu, profiter d'un rayon de soleil, profiter d'une petite brise qui caresse notre visage, profiter du bruit du vent dans les feuilles, profiter du chant des oiseaux, profiter de Salem qui est en train d'embêter Angel. Voilà, tout ça pour vous dire en fait que le temps que vous vouez sur des choses qui sont à votre échelle grande mais qui sont en fin de compte insignifiantes, ben, c'est du temps perdu sur quelque chose que vous auriez pu faire autrement. Parce qu'imaginez que demain, nos gouvernements nous annoncent qu'il y a une météorite qui est en train de se diriger vers nous et que contrairement au film Armageddon, c'est pas en envoyant une bombe nucléaire qu'on va pouvoir neutraliser le problème et pire encore. Qu'on peut rien faire face à ce qui va arriver et qu'il nous reste 24 heures, et ben comment est-ce que vous voulez passer ces dernières 24 heures? Posez-vous la question. Vous allez voir que il y a plein de problèmes qui vont disparaître d'un coup. Mais alors complètement. Votre cerveau, il va dire ouais, ah, ok, allez, la facture, je m'en fous. Que ce soit pas payé, je m'en tape. Le peu d'argent que j'ai, bah hop, je vais le dépenser, je m'en fous. Tiens, je vais aller voler un magasin. Non, je vous invite pas à le faire. Mais voyez ce que je veux dire. Votre cerveau va vraiment réagir dans l'urgence en se disant, ok, là tu as un timing maintenant, il y a une date de péremption, tu as tant de temps, tu peux plus consacrer du temps pour machin, pour bidule, pour truc, pour... Non, fais ce que tu as envie de faire là tout de suite, profites-en. Et soyez dans cette dynamique-là. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que c'est une forme un peu cachée pour vous annoncer que, je vous en avais déjà parlé, que mon ventre, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Concrètement, je ne suis pas sûr d'arriver à 80 ans, 90 ans. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis dans cette phase d'introspection parce que j'ai pas le temps, j'ai pas envie de me prendre la tête pour plein de choses. Et j'ai vraiment juste envie de vivre ce que j'ai à vivre et d'en profiter, tout simplement, sans être disponible pour qui que ce soit. Parce qu'après tout, les gens ne sont pas disponibles pour vous, pourquoi vous devriez vous rendre disponible pour les autres? Vous voyez ce que je veux dire? Vivez votre vie, elle vous appartient, elle est à vous, elle est uniquement à vous. Et là, je ne parle pas de réincarnation, de karma, de machin, on s'en fout. Non, je parle de votre vie, là, tout de suite, au temps présent, en 2021. La vie qui coule dans votre corps, elle est à vous. Personne n'a le droit de décider ce que vous devez en faire, pour qui vous devez la donner, etc., etc. Non, personne, personne, vraiment personne. Donc, concentrez-vous sur vous. Profitez des instants pour vous. Vous êtes célibataire? Vous êtes seul en ce moment? On s'en fout. Vous êtes libre comme ça. Libre de pouvoir aller où est-ce que vous avez envie. Déménager très loin. Faire des activités. Sortir avec Pierre, avec Paul, avec Jacques. Essayer de nouvelles expériences. Sexuelles ou autres. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes en couple, vous êtes heureux, et ben profitez-en. Peut-être que ça ne durera pas. Et oui, ça peut ne pas durer. Mais profitez en tout cas du moment. Tant que vous êtes heureux, profitez de ce moment-là.
Vous avez un travail, vous êtes en CDI, vous avez la chance d'avoir un petit revenu qui tombe tous les mois, tant mieux, profitez-en aussi pour faire les projets tout de suite, parce que peut-être que demain les choses peuvent changer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en bonne santé aujourd'hui? Tant mieux, profitez-en et faites des choses que vous pouvez faire parce que vous avez la santé. Parce que peut-être qu'un jour ça pourra changer et vous ne pourrez plus faire ces choses-là parce que votre corps ne suivra plus à ce moment-là. Voyez? Donc ne soyez pas dans cette démarche de vous dire je vais me projeter, machin, et non. Vivez là, vraiment l'instant présent. Voilà donc mes chers amis pour cette vidéo qui est un petit peu longue, vous m'excuserez, mais je me sentais vraiment inspiré ce soir. Je vous dis, c'est ces commentaires qui m'ont vraiment attristé. Parce que même si, arrête de l'embêter, parce que même si, comme je viens de vous le dire depuis maintenant 40 minutes, je serai moins disponible, entre guillemets. Oui, je serai moins disponible, mais ça ne veut pas dire que mon cœur, je le transforme en cœur de glace, loin de là, au contraire. Et ce que je suis en train de vivre, en fait, je voudrais aussi vous le transmettre à vous, pour que vous puissiez être dans cette même démarche. Allez, pour terminer cette vidéo, les amis, je vous propose de tirer quelques cartes. J'ai pris le jeu La réponse est simple de Sonia Choquette. Parce que je crois que dans la vie, parfois, il y a juste besoin d'une réponse qui est claire, qui est simple, qui n'a pas besoin d'interpréter, qui ne laisse pas de place au doute. Et on a besoin de réponses simples. Quand on se pose des questions trop compliquées, quand on est perdu dans sa vie, on a besoin d'avoir des réponses simples. Et quand vous posez la question pourquoi, ben moi j'ai envie de vous dire parce que. Il n'y a pas trois petits points, pas de points de suspension, il n'y a pas de mais, il n'y a rien. Juste parce que, c'est tout. Voilà. Pourquoi tu as vécu ça? Pourquoi tu es malheureux? Parce que. Pourquoi tu n'as pas de famille? Parce que. Tu n'as pas d'amis? Parce que. Tu n'as pas de travail? Parce que. Tu n'as pas une bonne santé? Parce que. Voilà. Tout simplement parce que on n'aura jamais les réponses. Pas de notre vivant en tout cas. Donc, comme je vous l'ai dit, pourquoi vouer de l'énergie pour des choses bah, auxquelles on n'aura pas de réponse. Pourquoi se torturer l'esprit? Pourquoi se rajouter des choses? Alors qu'en fin de compte, bah, c'est comme ça, c'est tout. Personne n'a demandé à venir au monde. Prenons par exemple nos prénoms. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de choisir nos prénoms? Pourquoi ce sont nos parents qui choisissent nos prénoms? Par exemple, moi, je ne voulais pas m'appeler Jonathan. Ma mère adorait Jonathan. Qui plus est, Jonathan, c'est un nom hébraïque qui veut dire Dieu a donné. Bah, c'est bien joli, mais Dieu a donné quoi? Jonathan, en hébraïque, ça veut dire Dieu a donné. Ok, mais c'est pas précisé quoi. Donc moi j'aimerais savoir, non seulement j'ai pas choisi mon prénom, mais en plus mon prénom veut dire Dieu a donné. Ok, tu m'as donné quoi? Je peux avoir la réponse? En mail, en texto, ce que tu veux. Mais j'aimerais savoir, m'a donné quoi? Donc vous voyez, rien que des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de choisir son propre prénom? Pourquoi pas avoir un prénom temporaire qui serait attribué par nos parents? Et quand on sera en âge de choisir notre prénom, je sais pas, par exemple, à 12 ans, à 15 ans, peu importe, qu'on puisse avoir le choix de choisir notre propre prénom. Alors, vous allez me dire, du coup, si tu voulais pas t'appeler Jonathan, comment t'aurais voulu, quel prénom tu aurais voulu? J'aime beaucoup le prénom David et j'aurais voulu m'appeler David. Je sais, peut-être que ça ne me va pas, mais c'est un prénom que j'aime beaucoup. Alors, je sais ce que vous allez dire en commentaire, David et Jonathan, ça reste biblique, hein, le roi David, Jonathan, justement, Jonathan, c'était son général, le général de l'armée du roi David. Puis, David et Jonathan, hein, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, je restais dans la continuité, mais je sais pas, David, j'ai toujours aimé ce prénom, David, simple, délicat, viril, enfin, je sais pas. Alors peut-être que Jonathan, ça me va bien, mais c'est vrai que c'est pas un prénom que j'aurais voulu. Voilà. Mais c'est comme ça. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a plein de choses en fait où on est soumis dans notre vie et on ne nous demande pas notre avis. Je prends par exemple notre numéro de sécu. Pourquoi on n'aurait pas le droit de choisir notre numéro de sécu? Pourquoi est-ce que c'est un étranger qui nous attribue un numéro? Alors déjà, petite référence aux prisonniers. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on nous attribue les choses? On les a pas demandées. Moi, je sais pas, quand on m'attribue, je sais pas, tel numéro, tel papier, tel machin, tel identifiant, mais j'en veux pas de ton truc. C'est pas moi qui l'ai choisi. Pourquoi tu me l'imposes?
Et les prénoms, c'est un peu pareil. Pourquoi est-ce qu'on nous impose un prénom? Pourquoi on nous impose un nom de famille aussi? Même pas, genre, par exemple, Robert. Oh, franchement, les Robert, quand on voit en plus. C'est vraiment pas un nom de référence parce que moi, les Robert que je connais, il n'y en a aucun que je prends pour modèle. Et ça me fait de la peine de dire ça parce que ma maman souvent m'en parle en me disant que ma grand-mère et mon grand-père étaient des personnes extraordinaires. Donc peut-être que je les déçois quand je leur dis ça. Mais personnellement, j'ai honte de m'appeler Robert. Mais qu'est-ce que vous voulez que. Quel nom je peux choisir? Je peux pas choisir le nom de ma mère, puisqu'on a appris il y a quelques années que ma mère était adoptée, que ses parents, en fait, n'étaient pas ses parents. Donc en fait, le nom de famille qu'elle porte n'est pas le sien. Mais. Comme son nom officiel n'a pas non plus été reconnu parce que c'est compliqué, je vais pas rentrer dans les histoires. Il y a trop de détails, il y a trop de. Mais ma mère ne peut pas officiellement prendre son nom, le nom de son vrai père, parce que c'est pas encore officialisé. Donc du coup, bah, ma mère concrètement, elle est comme Madonna. Elle a pas de nom de famille. Donc si je devais choisir, moi je m'appelle comment? Donc du coup, je veux plus m'appeler Jonathan, je m'appelle David. Et David, je prends quoi comme nom de famille? Parce que là, concrètement, d'un côté comme de l'autre, voilà. Bon, ça c'est pour vous faire rire, mais voyez ce que je veux vous faire comprendre. C'est que même pour plein de choses, on ne nous demande pas notre avis. On ne peut pas choisir. Et je prends un autre exemple. Je voulais pas être un garçon. Ça paraît bête. Alors je l'assume d'être un garçon. Je ne deviendrai pas transgenre. Mais je voulais pas être un garçon, j'aurais préféré être une femme. Parce que je sais pas, j'en sais rien. J'avoue que je m'identifie mieux aux femmes dans le sens où bah, je suis quelqu'un de délicat, je suis quelqu'un de réfléchi. Alors attention, je dis pas que les hommes sont pas délicats, réfléchis. Peut-être que là je vais tomber dans des clichés un peu sexistes, un peu machos, vous m'excuserez. Mais je sais pas, enfin, dans ma façon de penser, dans ma façon d'être, c'est vrai que ça correspond peut-être plus à une femme que à un homme. Je sais pas. Ou alors peut-être que j'ai des clichés aussi, parce que ben, j'ai reçu une éducation judéo-chrétienne, hein, dans un monde dirigé par des hommes principalement, qui nous apprennent comme ceci, comme cela, qui nous formatent l'esprit à certains codes, à une certaine codification. Donc peut-être que ce que je ressens d'une femme, peut-être qu'en fait non, un homme peut ressentir ça. Mais comme dans nos sociétés actuelles, voilà, si vous êtes un homme et que vous êtes un peu sensible, que vous aimez le théâtre, que vous aimez le rose, bah tout de suite vous êtes. Hein? Voilà. Bon, ce qui n'empêche pas l'un et l'autre, puisque effectivement je suis. Le mec, tu sais, il s'enfonce bien tout seul, il a besoin de personne. Non, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. C'est que la vie entière est faite de clichés, est faite de non-choix, et on est libre en fait de rien. Donc s'il y a bien quelque chose que l'on doit imposer aux autres, c'est de pouvoir gérer sa vie comme on l'entend, de faire ce qu'on a envie de faire, d'être qui on a envie d'être. Et franchement, ceux à qui ça pose un problème, eh ben, merde. Voilà, on peut pas faire plus simple. Allez, on y va, on va se tirer deux cartes. Pour voir eh ben, si quel message on peut avoir, si ça va venir corroborer un petit peu ce que je viens de dire, ou l'inverse peut-être, on verra. Allez, on va tirer deux cartes. C'est drôle. Regardez. Je sais pas si vous allez la voir, c'est dans le noir. La carte que je viens de tirer, dites non. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui est très difficile, c'est de dire non, apprendre à dire non. Enfin, ça dépend pour qui. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas blesser, on n'aime pas froisser, on aime plutôt faire plaisir, on ne veut pas contrarier la personne, on veut éviter les histoires, on veut éviter les dramas. Donc du coup, c'est pour ça qu'on dit pas non. On dit oui, on se force à dire oui. Et puis plus tard, eh ben, ça crée d'autres problèmes par la suite. Alors que c'était tellement plus simple de dire non dès le début. Ça aurait évité justement plein de problèmes. Mais comment on veut faire plaisir, comment on veut pas, voilà, on veut pas froisser, on veut pas, donc on dit pas non. Et ça, c'est la chose la plus difficile à réaliser, mais c'est impératif de le faire. Vraiment, les amis, désormais, n'ayez pas peur de dire non. Tu as envie de sortir aujourd'hui? Non. Tu as envie de t'associer à moi? Non. Tu as envie de ce travail? Non.
Tu as envie... Non. Non, 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 non. Voilà. Alors attention, ne dites pas non à tout. Il faut qu'il y ait un non. Le non, il faut qu'il soit justifié. C'est pas juste pour plaisir de dire non. Si par exemple, je vous dis, ça te dit, on va sortir, on va faire les boutiques, si vous n'en avez pas envie, parce que vous, votre envie, c'est de rester en pyjama sur le canapé tranquille à regarder une série sur Netflix, parce que vous en avez envie, bah, dites-moi non. Me dites pas oui à vous forcer à sortir, et puis au fond de vous, vous allez passer une après-midi pas comme vous auriez voulu parce que vous voulez me faire plaisir. Bon, ça vous déplaît pas non plus de vous balader avec moi et de faire du shopping, mais c'est pas ce que vous auriez voulu. Eh ben non, dites-moi non. Non, écoute, non, j'ai pas envie. Cet après-midi, je voulais me faire une après-midi pyjama, série, j'ai pas envie de sortir. Voilà, tout simplement. Bah, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Je sais pas, si je vous dis... Tiens, je te recrute dans mon restaurant, est-ce que ça te dit de faire 50 heures par semaine? Bah non. Alors vous allez me dire, bah oui, oui, bah oui, enfin ça dépend, hein, voilà. Non, vous avez pas envie? Non, non, c'est non, c'est bah non, non, je vais pas faire 50 heures par semaine, non, j'ai une vie, non, non. Je sais pas moi si je vous dis, est-ce que tu veux un peu de poison dans ton thé? Bah vous allez pas me dire oui pour me faire plaisir. Là vous serez capable de me dire non. Bah non. Non, bien sûr que non. Donc vous voyez, il y a parfois le non, il est facile à sortir quand ça met vraiment en péril, quand la chose est tellement grosse. Bah là c'est facile de dire non. Mais parfois le non, il peut être plus subtil. Et puis il y a des fois on n'ose pas le dire, alors que ça peut entraîner des problèmes tout aussi conséquents par la suite. Donc dites non, tout simplement, dès le début. Ça, vraiment, c'est un travail qui n'est pas facile, je le conçois, je le concède. Je suis le premier aussi à qui c'est compliqué. Encore que je m'améliore, je m'améliore avec le non. Mais ça, c'est un travail de longue haleine et n'ayez pas peur de dire non. Franchement, pour vous protéger, c'est pas le fait d'être égoïste, c'est non, vous n'avez pas envie de le faire. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas et dites non, vraiment, pour tout. Ça s'applique pour tout. Ce qui est drôle, c'est que l'autre carte en dessous, c'était aimer votre corps. Et moi qui vous disais, je voudrais pas m'appeler Jonathan, j'aurais pas voulu être un homme. Et là, on nous dit, aimer votre corps. C'est ça, c'est marrant. Et on va en prendre une autre. Alors, on en a deux qui ont volé du paquet. Vous savez quoi? J'ai envie de les prendre. J'ai envie de les prendre parce qu'en plus, les cartes sont parlantes. Regardez, pour celle-ci, on a rié, tout simplement. Effectivement, ça aussi, on ne sait plus rire. On n'arrive plus à rire, mais naturellement. On n'arrive plus à rire pour des choses qui sont drôles. Je prends par exemple bah Angel ou Salem, peu importe, mais il y a des fois, ils me font des actions qui sont drôles, qui sont vraiment drôles. Mais il y a des fois, c'est rien. Il y a des fois, Angel, elle a un visage qui est super expressif pour un chat. Mais il y a des fois, Angel, elle va me regarder. Avec un regard, mais bête, mais idiote, mais je vous jure, à chaque fois je lui dis, je la regarde, je lui dis, ma pauvre chatte, t'as vraiment une tête d'abruti. Parce qu'elle a une tête, vous savez, elle me regarde comme ça, il manque limite le sourcil qui monte jusque-là. Et ben juste ça suffit à me faire rire. Pourtant, y a rien de risible, mais il y a un truc. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive plus à faire, c'est rire de bon cœur pour absolument... Tout et n'importe quoi. Le rire, c'est quelque chose qui est naturel, qui est humain, qui est bon pour la santé, qui est bon pour le moral, qui est bon pour plein de choses. Et il faut là aussi travailler, apprenez à rire. Vous savez que quand je faisais, c'était du théâtre ou de la sophrologie, je me rappelle plus. Non, c'était de la sophrologie. Sophrologie, un jour, durant un atelier, on avait fait un atelier rire, mais il fallait se forcer à rire. Et eh ben aussi incroyable soit-il, donc on faisait des exercices pour apprendre à rire, donc ha, mais vraiment voilà. Et eh ben à force, ça a fini en fou rire, mais vraiment un rire mais communicatif, c'est-à-dire qu'à force de se forcer à rire, il y a je sais pas, il y a un truc qui est venu et qui fait que tous on est parti dans un fou rire, mais à en pleurer même limite. À mourir de rire. J'en avais mal au ventre, j'arrivais plus à respirer.
Et après, ça m'avait fait un bien fou, mais un bien fou. J'étais détendu, j'étais vraiment bien vidé intégralement. Vraiment, essayez ça. Si vous trouvez des exercices sur YouTube, amusez-vous à les faire. Et si vous êtes plusieurs, amusez-vous à les faire ensemble. Vous allez voir que du coup, le fou rire sera beaucoup plus communicatif. Mais même tout seul, hein, tout seul, juste le fait de vous entendre vous forcer à rire, ça va finir par vous faire rire parce que vous allez vous trouver complètement ridicule. Et le rire va venir naturellement. Mais ça aussi, c'est un exercice qui peut être sympa à faire. Apprenez à rire, mais à rire de tout. À rire à l'autodérision aussi. N'ayez pas peur de dire des choses avec l'autodérision. N'ayez pas peur aussi de dire les choses avec le sourire, avec du rire, avec de l'humour. Tout peut être dit avec de l'humour, hein. Il suffit de voir les grands humoristes, Murat Robin, Nourmanoff, Florence Foresti, hein, je ne vais pas tous les citer, ils sont tellement nombreux. Ils arrivent à tout dire et à traiter parfois de sujets quand même très sérieux, très graves, l'handicap, l'homosexualité, le racisme, la violence, le viol, etc. Des choses quand même qui sont fortes. Et on en rit, on trouve le moyen d'en rire. Pourtant, si on regarde sur le fond, bah, il n'y a pas de quoi rire, au contraire. C'est des sujets quand même. Mais avec l'humour, on peut à peu près tout dire si c'est bien dit. Donc, ça aussi, j'ai envie de vous dire, essayez de retrouver cet esprit d'enfant innocent et apprenez de nouveau à rire. Et en fait, et enfin, pardon, et enfin l'autre et dernière carte, c'est celle-ci qui nous dit laissez tomber. Et effectivement, je trouve que ça résume bien les choses. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, si vous voulez vous élever, regardez la carte. On voit ici cet homme qui est scotché au sol, qui n'arrive pas à décoller. Et on a au contraire cette femme qui décide de laisser tomber, de lâcher du lest, et grâce à ça, eh ben, elle est dans cette phase d'ascension. Et c'est le même principe pour vous aussi, c'est-à-dire que débarrassez-vous des fardeaux, débarrassez-vous des poids, délistez-vous des choses qui vous empêchent de décoller. Alors ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être plein de choses, mais délistez-vous de ces poids, parfois des poids morts même, que vous traînez, qui vous tire vers le bas et qui vous empêche de grandir, qui vous empêche de monter, qui vous empêche de vous élever. Mais vraiment, lâchez prise, quoi. C'est, on s'en fout. On s'en fout. Regardez, par exemple, je vais prendre le sac. Le sac, il est composé, certainement une sorte de toile de jute avec du sable dedans. On va pas pleurer ce sable quand même. C'est pas parce qu'on va lâcher le sac là en disant oh, pauvre sable. Non, non, mais bon quoi, c'est un sac de sable. Mais ça représente un poids. Et ben c'est le même principe. Voyez certains problèmes, certaines personnes, certaines situations comme des sacs de sable. Vous n'allez pas pleurer pour un sac de sable, quoi. C'est Donc délestez-vous et lâchez ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de vous élever, tout simplement. Voilà donc les amis pour les trois conseils et effectivement je crois que c'est les trois meilleurs conseils que je pourrais vous prodiguer. Dire non, apprendre à rire tout simplement et lâcher prise. Attention, ne lâchez pas, il y a lâcher prise et tout lâcher. Là je ne vous demande pas de tout lâcher mais de lâcher prise, de vous en remettre complètement à la vie, de dire pouah, je m'en lave les mains maintenant de tout ça, je m'en contrefous. Advienne ce qui doit advenir et allez à Jagd est. Le sort en est jeté pour ceux qui ne traduiraient pas le latin. Allez, sur ce, les amis, c'est la fin de cette vidéo qui est encore une fois très longue, j'en suis désolé. Mais je vous dis en ce moment, je me sens vraiment inspiré, j'ai envie de partager des choses avec vous, des choses nouvelles, des nouvelles expériences. C'est pour ça aussi que la chaîne va évoluer, va se transformer. Il y aura peut-être des choses nouvelles, il y aura peut-être certaines choses qui vont disparaître. Bah, comme je vous ai dit, voilà, c'est comme les abonnés, quoi. Il y en a, ils vont partir de la chaîne, des nouveaux vont arriver. Voilà, c'est ça, c'est le cycle de la vie, c'est comme ça. Et honnêtement, aujourd'hui, je suis vraiment, et j'ai vraiment envie de vous partager ça. Et j'espère vraiment que dans cette vidéo, j'aurai su vous retransmettre ça.
Honnêtement et sincèrement, si ça peut vous aider, vous aussi, eh bien, à être dans cette étape d'éveil spirituel, de compréhension, de déclic, de révélation, appelez ça comme vous voulez, peu importe le mot, mais l'essentiel en fait c'est vous. Concentrez-vous sur vous, sur votre bien-être, sur votre avenir, sur votre vie. Vous n'en avez qu'une et on ne parle pas de réincarnation, on ne parle pas du karma parce que nos réincarnations, on n'est pas forcément conscient de ce qu'on a pu vivre avant. Donc c'est pas la peine de se dire, oh je m'en fous de cette vie, je verrai dans la prochaine, je profiterai à ce moment-là. Non, mais c'est tellement triste de dire ça. Non, votre vie, vous la vivez là, à l'heure actuelle. On s'en fout de la prochaine, de la suivante, de la précédente, là. Non, celle qui est importante, c'est celle-ci, c'est celle que vous vivez aujourd'hui. Donc pensez pas aux prochaines, parce que vous vous souviendrez même pas des autres que vous aurez vécues, c'est complètement débile. Donc vivez celle-ci qui est importante, qui est primordiale. Voilà, profitez de chaque minute et gardez en tête cette météorite qui peut à tout moment venir expédier la Terre de façon définitive. Et vous verrez que vous allez savourer la vie de façon très différente en vous disant que il peut y avoir une menace qui peut arriver du jour au lendemain. Et avec les gouvernements qu'on a, c'est même pas sûr en plus qu'ils nous préviennent. S'ils nous préviennent, ça veut dire que eux, ils seront à l'abri et que nous, on sera sur les dernières heures, quoi. Nous, on fera partie des. Vous savez, les étrangers sur le Titanic qui étaient en troisième classe, voilà, bah nous, on sera ça. Hein. Nos gouvernements, ce sera la première classe sur les canots de sauvetage. Et puis quand eux, ils seront sur les canots de sauvetage, c'est là qu'ils nous diront que le Titanic coule. Hein. Voilà. Quand on aura déjà de l'eau jusqu'ici, ils nous diront que le Titanic coule. Voilà. Donc n'oubliez pas ça. Et pour ça, essayez de profiter un maximum de la vie. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Gardez courage, gardez force. Je vous embrasse et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.